Bienvenue dans ce nouvel épisode de Shank TV. On se retrouve donc aujourd'hui pour le 4e épisode exactement. On a vécu déjà plein de choses ensemble, donc j'espère que ça va, que vous êtes remis de vos émotions du 3e épisode. On a échappé à une pluie de missiles lancés par Supercopter, on a réussi à couper la tête du pilote. Donc là, on va continuer l'aventure de Shank pour essayer de retrouver un petit peu la femme qui a été enlevée, essayer de tuer Magnus. Je pense que ça va être le boss. Je vous dis un scoop, je vous donne un scoop, je pense que Magnus, le méchant, eh ben, ça va être le boss de fin. Donc, ce qui s'est passé dans les précédents épisodes, pour ceux qui prennent directement à partir du 4e épisode, y a eu du village qui a été brûlé, on a coupé des têtes et coupé des mains aux mercenaires, on a tué deux gros boss, et là on se retrouve, normalement, on va aller découvrir les Amazones. Alors là, je vous cache pas que j'ai pas pu m'empêcher de jouer, parce que ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait d'enregistrement. Donc, là, pour le 4e épisode, on va se retrouver en Amazonie. Et je crois que je vais galérer. Donc, normalement, quand j'étais pas forcément concentré, j'ai mis à peu près 24 minutes pour faire l'épisode. Enfin, pour faire la campagne. Le 4e niveau. Donc là, si je meurs trop de fois, et ben je vais couper parce que c'est hors de question que je vous... que je vous inflige mes morts. Donc là, vous le voyez, hein, j'ai fait que 12 000, je suis mort 7 fois. Alors c'est parti pour les ruines perdues. Je vous laisse, comme d'hab, je crois que ouais, je vais continuer avec la machette. Non, je vais prendre la tronçonneuse. Ouais, si, je vais prendre à la tronçonneuse. Allez, c'est parti. Par contre, je vais prendre les pistolets. Donc, comme d'hab, je vais vous laisser regarder la cinématique. Et puis, bon, on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Et bonne cinématique. Que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, on est donc, je vous l'avais dit, hein, dans les ruines. Je pense qu'on a découvert un petit groupement d'Amazon. Oui, les pauvres hommes, on va dire, faibles comme ils sont face à des femmes assez court vêtus et très peu vêtus, à mon avis, vont prendre cher. Donc, Shank, gentil comme il est, j'ai fait exprès de dire gentil comme il est parce que c'est un gros barbare, c'est un gros ouf, c'est un gros dingue, faut surtout pas le faire chier. Et en fait, on va délivrer un petit peu tous ces jeunes hommes et tous ces hommes, en fait, sans défense. Donc, on a encore un petit bonhomme, là, à sauver. Alors, bien entendu, à chaque fois, je vous le dis, mais je vais vous demander les bonhommes pour faire la collection, hein. Eh, tu m'as loupé, mon pote! Donc là, les Amazones, elles ont... Oula, elle m'a foutu une pêche. J'ai réussi à l'arrêter au vol. Ça a fait un beau... Oh, bah, c'est mort! Voilà, j'ai fait péter tout le monde. Voilà, elle m'a foutu une pêche, un coup. Allez, va cramer en enfer. Donc j'aime bien la torche, ça fait du bien. Les grenades, c'est pas la peine, j'ai ce qu'il faut. On va récupérer un petit peu d'alcool pour se remettre un petit peu d'aplomb. Ma torche ne brûlait pas, mais heureusement elle a un petit peu rebrûlé. Allez, lui c'est pareil, on va le choper. Alors je vais m'éloigner parce que... Ah non, il y a des mecs à la Kalachnikov. Eux ils font mal, hein. Une fois qu'ils tirent... Voilà, je vous l'avais dit, c'était mal. Ah, le jeu est censuré.
Non, je déconne, je suis désolé, il y avait une feuille, j'ai pas pu vous montrer. De toute façon, vous connaissez déjà un petit peu que c'est... Enfin, vous savez déjà que c'est un petit peu dégueulasse quand même, hein. Bande de pervers gore. Bon alors, je crois même qu'il va y avoir des loups. Ah bah voilà, si je me souviens bien, il y a des loups qui arrivent. Bon, lui, il m'énerve plus qu'autre chose. Surtout en plus avec les loups, ils vont me faire crever. Ouais, je crois qu'il va m'allumer, lui. Ah bah, je crois que je vais mourir. Oh là là. Mince, raté. Fichtre. En fait, il y a pas mal de passages comme ça où il y a des animaux. C'est vrai que c'est pas... Bon, je me suis dit, je vais essayer de la jouer tranquille et je vais prendre Jean-Marcel dans le coin et je vais lui couper la gorge tranquille. Mais Jean-Marcel, il m'a fait découvrir, j'ai pas pu la jouer à la commando. Wouah, comment je l'ai éclaté. J'ai démonté tout le monde. Wouah, il m'a empêché de l'exécuter, lui. Toi, par contre, je vais venir te massacrer. Voilà, il n'y a pas besoin d'armes à feu, hein. Moi, avec une simple tronçonneuse, je te démonte tout le monde. Ah ouais, stylé. Bon, il n'y a plus personne, là. Oh, mince. Bon, donc, vous avez vu un petit peu trop tard qu'il fallait, en fait. Ouais, vas-y, balance des grenades, plante-toi. Vous avez vu un petit peu trop tard. Ah bah. Qu'il fallait en fait utiliser le mec qui était malheureusement pendu. Bon alors tu vas monter toi. Voilà, c'est ici qu'il faut monter. Eh mais rentre chez toi avec ton bâton là. Oh bah ça y est, lui commence à nous refaire chier avec sa pelle. Ouais c'est ça, Ra aussi. Tiens, Bing dans ta gueule. Aïe aïe aïe. Ah putain. Eh vas-y, calme-toi avec ta pelle là, je vais te foutre un coup. Allez Bing! Là je vous ai fait un je sais pas trop quoi là, mais en tout cas ça a marché. Ça fait toujours son petit effet les acrobaties. Ouais, vous avez compris maintenant pourquoi faut pas emmerder Shank? Ouais c'est ça, arrêtez de danser bande de dés. Ah je me tais. One and all to Eden. To all our loyal members and their guests, please enjoy all we have to offer. It will surely be a night you will not forget. Intruder! Allez, c'est parti! On essaye de pas mourir cette fois. Oh bah là, je m'en suis pris un coup. Voilà, je l'ai esquivé comme il faut. Oula, voilà le petit saut de cabri qu'elle nous a fait. Allez hop, mode boucher, tronçonneuse à gogo. Bon, un petit coup dans la tête aussi. Il va peut-être falloir que je pense à récupérer de la vie. Je ne sais pas s'il y a de l'alcool. Ah si, il y en a là, j'ai vu. Il y en a même encore une bouteille au sol, je crois que je vais me dépêcher de la ramasser. Voilà, il y a un gros balèze qui arrive. Voilà, c'est ça, continue de cramer, toi aussi. Ah, comment j'ai fait le gros lâche. Bon, il y a la méchante Amazon qui me dit, viens mon petit, viens chercher bonheur avec moi. Bon, j'ai récupéré pas mal de fric. Non. Voilà. Ah, il n'y a pas d'alcool dedans. Fuck it, shit.
Bon, là, il y a de l'alcool. Voilà, là, je suis blindé, là, je suis complètement bourré. Ouais, bon, elle croit qu'elle va... Ah, à tous les coups, je sens qu'elle va voler. Ouais, c'est ça. Rentre chez ta mère, toi. Pas envie de parler avec les loups, moi. Ni de danser, non plus. Ouais, c'est ça. T'inquiète pas, je vais te suivre. Je vais te démonter. Eh, hey, oh, oh, oh. On passe pas du tout à des trucs du zizi sexuel, là. Hein. Yamakasi. Ya. Oh, faut sauter. Ah, 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 comme ils étaient malins. Oh, ils sont en train de manger quelqu'un. Ah bah là, ils vont manger aussi si je continue. Allez, danse avec les loups, il est retourné chez sa mère. Ça, je peux le récupérer, c'est un os. Super, oh, les pauvres monsieur, ils sont morts, j'ai pas pu les sauver. T'en en fais deux de moins dans la collection. Ah ouais, d'accord, lui, il m'a vu venir, je crois. Il fait comme Homer quand il se brûle. Ah oh, bah là, il m'en a foutu une pêche, une belle en plus. Bon, là, le coup de tronçonneuse n'était pas forcément nécessaire. Allez, c'est parti, on monte à l'échelle. On fait bouger les bras qui sont musclés. Ah ouais, ça par contre, c'était moins cool. Allez, c'est parti, Lara Croft. Shank, excuse-moi. Non, il va s'énerver, rigolez pas. Allez, salut les potes, y'a plus personne. Bon, je pense qu'il y a encore des gogoles qui vont arriver. Non, même pas. Y'a même pas des mercenaires qui sont venus protéger leurs potes. Bah hop, direct. Démonté, allez hop les Amazones. On retourne faire mumus dans la nature. Alors, je ne sais pas où ça va nous mener. Il va falloir sauver le jeune homme qui s'est bêtement laissé choper. Tintintin. Bon, je sais pas s'il y a grand chose là. Bon, ça me remet même pas ma vie à fond. J'ai pu récupérer deux grenades. Ouais, ils m'ont entendu. Oh, qu'est-ce qui est tombé là? Oh, je crois que je suis en train de morfler. Ouais, c'est bon, je préfère être dans ce sens-là. Combo King! Allez, on va faire vite fait un tour du côté. 10 combos de 20 hits ou plus. Ça, c'est la classe. Bon, il y a les diamants qui tombent là. Oh, faut que je ramasse de la vie. Allez hop, on picole. Allez bing, rentre chez ta mère aussi toi. Ouh, j'aime pas trop avec ton katana là. Même pas un katana, c'est un vulgaire bâton. Et bing, exécution. Exécution. Ah, je peux pas encore le libérer le pauvre monsieur là. Voilà, deux coups de torche, il est mort lui. Ah c'est ça, va prendre feu, allez. Il paraît que t'as froid l'hiver. Allez, nous pouvons libérer le monsieur. Ouais, 9 sur 50, thank you. Merde, j'ai voulu le tuer, j'ai pas réussi. Bon, je vais quand même prendre une torche. J'aurai bonne conscience au moins comme ça. Ouais, j'ai plus beaucoup de vie par contre, ça m'embête. Je pense qu'on va pas tarder à arriver au boss là. Bon, alors là attention, hein. Y
y a un marcassin. Non mais je vous le dis, au cas où vous ne seriez pas au courant. Bah, il arrive quand même à me blatter à travers le mur, lui. Alors ça, c'est une partie des plus difficiles que je n'aime pas. Ouais, bah je crois que le marcassin, on peut pas le zapper. Et voilà, il va m'en foutre un coup, l'enfoiré de gros porc. Tiens, enfoiré de gros porc, ça me fait penser à quelque chose. Là, je viens de quitter Jordan et Pipo sur le groupe d'amis. Et ils m'ont dit qu'ils avaient vu une super nouvelle vidéo de Cortex, wesh, les pyramides 91, t'as vu? Et qu'il était en train de clasher le joueur du grenier, ce gros débile. Donc et apparemment il a pas arrêté de dire que le joueur du grenier ouais gros porc, ouais gros porc, ouais gros porc. En fait Cortex ne sait dire que des grosses conneries. Toujours les mêmes mots en plus. Donc là c'est pour le gros porc avec ses chemises jaunes. Toi le gros porc du grenier, le joueur du grenier, hein. Donc je ne sais pas pourquoi il continue, il s'obstine à faire des vidéos. Oula, ça fait mal. Ah non, faut pas que je meure. Oh, je ne suis pas mort. Bon, j'ai quasiment plus de vie. Je pense que je vais en mourir une fois. On va passer par le dessus. Pour prendre la petite caisse. Voilà, ça y est. Donc, on a encore une biographie supplémentaire. Yaaaaaah. Oh, j'ai eu chaud, là, quand même. Bon, j'ai récupéré pas mal de vie. J'ai failli me... J'ai failli tomber dans le trou. Et là par contre je pense qu'on va arriver. Voilà, nous arrivons au boss. You're no match for me. Voilà donc, nous affrontons Roselle. Une saloperie de... d'Amazon. Que je vais essayer de terminer comme il se doit. Alors donc elle se déplace, ah bah elle m'a foutu un coup, un couteau. Donc là c'est toujours la même chose, la roulade est votre meilleur ami. Là vous avez vu en direct live le vent que je me suis tapé. Alors là il y a une petite technique en fait. La technique du H que j'aime bien utiliser, c'est pendant qu'elle est en l'air. Au lieu de m'embêter à essayer de la toucher, de sauter comme un... un kangourou court sur pattes, et ben j'essaye de l'allumer avec les flingues. Ça me fait donc dans le bon sens ce sera mieux. Allez, on va récupérer ça. Ah, elle m'a foutu un coup. Ah ah, je te rends ouf hein. Donc les petits loups, ils sont gentils parce qu'une fois qu'ils sont morts, ils nous laissent de l'alcool. Donc je ne sais pas, vive les jeux vidéo inventifs. Depuis quand les loups nous laissent des bouteilles d'alcool quand ils crèvent? Ya, et re-ya dans ta tête. Oula, les grosses pêches qu'elle avait. Ah, je me suis baissé trop tôt. Elle me met quand même pas mal devant, je ne sais pas, je ne regarde pas si je la touche. Je ne crois pas. Ah, les enfoirés de loup, bon, elle en a tué un. Ouais, c'est ça. Va manger de la pâtée. Moi, faut que je me dépêche de picoler. Ah mince, j'ai avancé en même temps, super.
Allez, on continue la technique de lâche. Ouais, Brigadon de ta mère, ouais, surtout. Oh là, là, elle va accélérer le mouvement. Eh ben, nous aussi, c'est pas grave, on a vu son string, on a vu son cul. On va venir lui botter, allez, c'est parti. Elle est presque morte. Hey. Voilà, allez hop, là, je sais pas si vous avez vu, j'ai failli mourir, mais comme un gros cake en plus. Ah, elle m'a foutu un coup, non. Ah, c'est tendu là. Ouais, vas-y, fais venir tes loups. Voilà, par contre, le loup, il retourne voir maman, bien gentiment. Oula, c'est bon, j'ai récupéré presque ma vie. Entière, complète. Elle m'énerve avec ses éclairs là. Oh, ce beau duel dans le vent. Ah voilà. Ouh, ouah, je suis trop malaise. Oh non, qu'est-ce qui va m'arriver? Bon bah, je pense que vous avez vu. Jack, aide-moi. Non, démerde-toi. T'as pas voulu me... Pardon. Donc je suis mort 5 fois. Vous n'en avez vu que 2. Ouh, super. 16 379 points. Je suis fier de moi une fois de plus. J'espère que vous aussi. J'ai fait 4000 points de mieux que ce que j'avais fait la première fois. Je trouve ça super, je trouve ça génial. Bon, eh ben, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à partager mes vidéos. N'hésitez pas à parler de moi. Ça fait toujours plaisir, que ce soit en bien ou en mal, hein, surtout du moment que ça me revient aux oreilles, c'est bien, parce que au moins comme ça, je peux savoir ce qui plaît pas. Hein. On va se retrouver très 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 prochainement et très rapidement pour l'épisode 5 de Shank TV, pour la suite des aventures de Shank 2. On va enfin savoir, enfin peut-être... savoir quand est-ce qu'on va retrouver la personne chère et la personne disparue, et savoir si ben Magnus, le grand méchant enfoiré, va réussir à mettre en place sa rébellion et à devenir un dictateur. Bon, j'espère que non, parce que sinon tout ce qu'on a fait avec Shank, les bras, les têtes coupées et les pauvres loups tués, ça n'aura pas servi à grand chose. Bon jeu, salut, c'était Bébête.